Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Gary Aurélien, qui se juge instruction, doit un tribunal première instance par au Prince-Land désigné, nan date nan 23 août 2021 pour instruire dossier sous assassinat président République Jovenel Moïse, qui mourit la Kaili, Vélérin 5, nan an 8-6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Qui est juge instruction Gary Aurélien yé? Équipe Akouli nan système judiciaire. Équipe Salde Nouvelle Radio Télé Guinée a présenté parcours juge instruction ça. Gary Aurélien, c'est une promotion 2005-2007 qui t'a fait maîtrise dans l'administration judiciaire dans la faculté de droit Port-au-Prince. Parmi étudiants Sayo, t'es gagné juge Renaud Registre, magistrat Nora Jean-François, Jean-Renel Senatus et Aviol Fleurant. Dans la même année, ça, il était intégré dans le barreau Port-au-Prince, côté il fait 10 années à militer comme avocat. Dans l'année 2011, Gary Aurélien, pral rentré dans le système judiciaire comme substitut à commissaire gouvernement AI dans ville Saint-Marc côté li passé 6 ans. Après, il rivé transféré dans Mien Balais comme substitut commissaire gouvernement et là, il fait 3 ans et demi et puis il passé yon l'année dans parquet Croix des Bouquets toujours comme substitut commissaire gouvernement. Yon parcours cap continué. Gary Aurélien t'es tout comptable délégué cour des comptes pendant 14 l'année. Dans le mois de décembre 2020, Gary Aurélien pral nommé comme juge instruction dans le tribunal première instance Port-au-Prince. N'a pas rappelé, après juge Mathieu Chanlatte, qui est premier juge doyen tribunal première instance l'ont été désigné pour instruire dossier sur assassinat président républicain, fin adressé une correspondance by doyen en date 13 août 2021 et dans correspondance ça, il décidé déporter le dossier a pour raison convenance personnelle. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince n'a pas de gain le choix pour désigner un autre juge pour capable mener affaire ça. C'est là, il était décidé désigner juge Gary Aurélien pour mener dossier sur assassinat président républicain. Yon dossier tout moun ap suiv. Enquête sur assassinat président républicain avancé. DCPJ transmet rapport li déjà by paquet qui li même acheminé dossier dans décana tribunal première instance pour Port-au-Prince là. Actuellement, il y a un juge d'instruction qui a un dossier en main. Rapport de CPJ a montré un pile d'efforts qui fait entre la police et le paquet. Il y a 173 actes d'enquête qui posaient. Il y a 61 armes à feu qui saisies. Gagné 10 ordinateurs qui confisqués. Il gagne 40 480 dollars américains et 117 475 goudes qui saisit et qui transmet dans le paquet. Gagné 44 individus qui arrêtés et qui déférés dans le paquet. Dans yo gagné 20 exécutants. Et 20 exécutants, c'est 18 Colombiens avec 2 Américains d'origine haïtienne. DCPJ a gagné 17 mandats d'amener contre monde qui impliqué, mais qui n'en marron. Moi, passé instruction claire par la police pour mobiliser tout moyen pour mener monde qui n'a marron sa yo, bay la justice. Tout monde que instruction a trouvé important pour tendre, doit venir devant la justice, doit venir devant le juge là. Pas de dormi pour la police dans le dossier assassinat président république là.
c'est un coup contre souveraineté pays. Konya, m'a adressé à moun qui chargé ak intention malveillant kap simaye rime tête en bas pour tenter assassiner caractère kek moun yo vle régler compte yo avec. M'a mette tout moun sa yo en garde contre de massa. Ces mêmes gens yo te utilisé stratégie ça que yo te utilisé pour y arriver dans assassinat physique président. C'est seul le tribunal compétent qui a dit qui est qui coupable. Pas quitter moun qui intéressé dans dossier conduit nous dans erreur. M'a demandé pour la presse continuer faire travail li qui s'éclairer j'ai société. Mais c'est pas participer dans brouiller piste sous yon dossier sensible comme ça. Ça c'est jouet force fait noir yo qui pas souhaiter la justice rivé sous yo. Et la justice a privé sous yo quand même. Gagne une série de manipulateurs professionnels. C'est yo qui déterminé compétence et expérience tout juge. C'est yo qui connaît toute bagarre. Tout ça yo c'est stratégie pour brouiller piste enquête là. En ma qualité de ministre de la justice et de la sécurité publique, j'insiste sur l'indépendance des trois grands pouvoirs de l'État et je tiens à rappeler qu'à l'heure actuelle, le traitement du dossier relève du pouvoir judiciaire et qu'il appartient à la justice de dire le droit. Je mets donc en garde quiconque voudrait faire le procès dans la presse. Grâce à l'intimidation, gare à l'intimidation et aux vaines tentatives de brouillage des pistes, une bête traquée prend souvent des tentatives désespérées, mais la justice finira par triompher. Machine justice là, pas camper. Quel que soit moun qui trempé dans la mort président république là, l'a subi sanction la loi. Ministère la justice et sécurité publique déjà mettait à disposition juge instructeur tout moyen logistique et sécuritaire li besoin pour mener enquête là. Moi mandé la police pour prendre bon gens disposition concernant moun qui impliqué dans dossier la mort président qui dans prison pour gagner yon attention spéciale sou yo. Moi mandé population rete calme et puis quitter la justice fait travail li et pour supporter j'ai fait la police pour arrêter moun qui impliqué dans assassinat président et puis qui dans marron ministère la justice et sécurité publique mettez une prime spéciale de 6 millions de gourdes sous tête trois fugitifs importants à eux. Wendell Telokok, Joseph Félix Badio, John Joel Joseph, Fok président, famille, proche, à tout peuple haïtien, joigne justice. Justice, c'est force nation. Vivions justice,
libre et puis qui est accessible à tout le monde. Vive la République d'Haïti. Nous avons des problèmes, nous avons des misères. C'est dans la rue, nous dormi. Et ça fait nous dire, petit, nous ne pas à l'école, nous ne pas aller pour nous rester. C'est bon l'école là, nous dormi à Tepetionville. Mes amis, je passe aux jambes, nous, la jambes, nous. Je dis à nous dire non, non, sans toi, nous y est. Je dis à nous dire non, nous ne pouvons pas miser à toi pour nous. Il y a son de sale, nous prenons la rue, nous ne pouvons pas supporter encore. On y a eu la gueule dans la rue. Il y a porte nous frapper, on ne pas ouvrir pour nous. Je dis à nous bouquer, l'école là va l'ouvrir, on dit nous baille l'école là. Nous ne pouvons pas compter nous pour nous côté pour nous aller. Je dis à nous prendre la rue. Tout porte nous frapper, on ferme pour nous. Je dis à nous dans la rue. Pour nous mettre les droits. Et nous demandons que les cailles nous, nous demandons soit par le magistrat pour nous asile politique. Parce que si on va faire ça l'autre semaine, nous allons passer par l'autre action. Il ne va pas qu'il y ait un handicap, c'est violent. Mais il y a déjà fait violence sur le jour, nous essayons de nous révolter. Moi-même, mes amis, je vais passer, et CAS, qu'on a payé nous chaque 6 mois, chaque 1 an. Chaque 1 an. Chaque 1 an, on a payé nous. Nous demandons pour libérer nous chaque mois. Et nous demandons pour nous porter comme la barre. C'est la barre, ça n'a pas passé par l'action. Là, nous gardons. Nous avons 3 mois depuis que ça arrive. Nous. Pas aucun monde doit humain qui dit rien pour nous. Pas aucun monde doit de l'homme qui dit rien pour nous. Tandis que nous sommes citoyens, nous avons droit même à tout le monde. Et il y a plus que 19 pays en Amérique latine qui font des lois en faveur de mon handicapé comme condition de vie. Loi sur l'intégration personne des handicapés, dans l'article 10, il dit l'État haïtien. Doué chaque handicapé en caille avec accessibilité. Dans le moment où on paye nous, dans la constitution amendée 87, dans l'article 22, il dit que l'État doit tout citoyen logement. Je ne sais pas si on est citoyen, on frère là-bas. Nous-mêmes, nous sommes citoyens dans le pays. Comme nous n'avons pas l'État campé pour nous, protection citoyenne, pas dire rien pour nous, le monde doit dire pas dire rien pour nous. Bini pas dit rien pour nous. OEA pas dit rien pour nous. Nous, au lieu d'inclure nous dans la société, c'est exclusion totale, capitale, sous toute forme. Il y a fait. Nous-mêmes, nous venons là aujourd'hui avec un document écrit. Nous venons déposer dans OPC pour aider nous, faire droit nous, appliquer comme ça droit. Maintenant, droit nous, nous besoin en clé, sans condition. Nous ne pouvons pas dormir dans la rue. Nous sommes citoyens haïtiens, mais il y a tous citoyens. Nous demandons au secrétaire d'État, tout neuf, sans condition, nous demandons pour CAS, qui c'est Caisse Assistance Sociale, qui voulait dire ça, le dit dans tout pays dans le monde. Eh bien, Caisse Assistance, ça, il part pour nous. Dans un an, c'est 2 seules fois, ils ont payé nous, et ils ont là pour nous 1500 gouttes là, chaque mois. Nous-mêmes, nous demandons justice. Nous demandons réparation, nous demandons clé sans condition ou bien ben nous asile politique, sans parler, sans bruit, sans compte. Quel est nous qui chita là, visage pas étrange pour moi. Parce que c'est des mondes que moi comme côtoyé déjà depuis avant que je définisse dans OPC. Moi-même comme protecteur du citoyen, avant que je sois protecteur du citoyen, moi, j'ai toujours fait question mon handicapé, une question qui est plus importante pour moi. En 2006, pour sénateur ensemble, nous sommes capables de dire sénateur Antoine Rédé Samson, tu as l'autre sénateur tout qui te dit, ah, il y a une nécessité pour mettre un bureau qui prend en charge mon qui est handicapé. Et c'est ça qui fait que président René Préval t'a mal créé secrétaire d'État pour intégrer mon handicapé. Et premier secrétaire d'État, nous connaissons, c'était docteur Payan. Hier matin, en dans salle là, si y a nous qui avons une chance pour nous faire radio, pour nous garder la télévision, si y a nous qui avons une chance, notamment Radio Télé-Guinée. En dans salle-là, nous avons parlé de notre fond activité. Nous profiter de l'activité pour nous dénoncer. Et ceci à toute force, nous.
décision gouvernement prend pour fermer secrétaire d'État personne handicapée. Nous te dit que c'est création personne secrétaire d'État personne handicapée, c'est un acquis que lié. Son bagage que nous gourmet pour lui, c'est un droit que lié. 18 ans 2006-2021, 15 ans après, aucun gouvernement, encore moins nos gouvernements provisoires, pas capable de décider pour faire mon bureau comme ça. Au contraire, l'idée de développer le bureau, l'idée de mettre plus de moyens, et nous-mêmes, nous étions accrochés à ça, nous avons dit, yala, nous avons profité antenne. Journaliste qui l'a et m'a dit ça en présence nous condamner à toute force nous décision que gouvernement prend et bien pour lui rendre secrétaire d'état dysfonctionnel. Nous condamner attitude gouvernement tout lorsque il y a quelqu'un dans nous qui a eu pile difficulté leur a déboulé calme nous incendié nous dans Delma 2 nous t'a faire nous t'a prendre refuge dans la zone du bureau secrétaire d'État et jusqu'à présent, le gouvernement par Jean Chita sous situation pour nous à côté pour nous mettre. Nous estimons que son violation droit nous que nous gagnons en tant que monde qui vivent avec handicap. Et nous ne pas prêter là, non seulement que nous dénonçons ces bagages, ça nous condamne et nous pourrons aller plus loin que possible pour nous montrer côté que le gouvernement s'agit là actuellement. Qui est dirigé par Dr. Ariel Henry, comme c'est lui-même le seul Premier ministre, que n'y pas d'importance importance à monde qui vivent avec handicap. Ça nous a dit hier et nous répétons le jour et jour. Il faut que rapidement, sans délai, jour et jour, que le gouvernement dise un mot sous secrétaire d'État, personne handicapée. Nous pas accrochés à nous monde. Nous ne pas demander pour y retourner avec le secrétaire d'État, soit des désirs. Nous ne pas demander pour choisir nos monde, nous ne pas nous dans la poche. Nous. Mais nous dit, il faut que dans le meilleur délai, il y ait un monde dans la tête du secrétaire d'État, soit que le secrétaire d'État qui reconduit nous pas combien, soit que son l'autre monde qui a choisi. Mais il faut que le bureau, secrétaire d'État chargé de l'intégration des personnes handicapées, recommencer à fonctionner pour capable de prendre tolérance nous en charge. Nous te dit et nous profiter de l'occasion pour nous dire encore. Deuxième bagage qui gagne, nous très sensibles à ça qui est arrivé, aviation, côté que en pile dans nous des victimes. Nous même au niveau de l'OPC, nous faisons communiquer sortir, nous faisons notre sortie, nous écrit Premier ministre Dr. Ariel Henry sous situation ça. Malheureusement, nous ne jouons aucune réponse. Nous sommes obligés de dire comme ça. Troisième bagage que nous voulons dire, nous voulons profiter de l'occasion pour nous dire. Nous, les gens qui vivent avec un handicap, ils sont les gens, même avec tout le monde. Ils sont les gens à part entière. Ils sont les gens qui doivent avoir une dignité. Ils sont les gens qui doivent jouer un côté pour le rester. Ils sont les gens qui doivent jouer de côté pour jouer manger. Ils sont les gens qui doivent jouer un encadrement. Ce n'est pas les gens qui sont handicapés pour lui-même. Ils n'ont pas de problème de handicap, mais ils ont les gens avec toute lucidité, avec toute intelligence, avec toute compréhension. Et à titre d'exemple, chers amis, moi-même, moi, je suis professeur dans l'université. Je suis une université côté de travail. Qui est l'Université Notre-Dame d'Haïti. Moi, j'ai eu la chance pour rencontrer un étudiant qui vit avec un handicap. C'est un homme ou malvoyant. Il y a un problème de yeux. Eh bien, étudiant ça, dans le cours que je fais pour lui. Eh bien, étudiant ça, attendez bien, oui. Étudiant ça, pour deux examens que je passé pour moi, il fait 90 sur 190 sur 100. Parmi tous les étudiants. C'est un étudiant, journée aujourd'hui, qui gagne deux licences. C'est un étudiant, journée aujourd'hui, qui applique pour le jeune poste maîtrise à l'étranger.
C'est nous étudiants qu'on y a non seulement fini l'étude, mais qu'on y a commencé à enseigner à l'université. Faut de OPC, qui c'est une institution qui grand monde technique. Nous indépendants, nous pas en deux gouvernement, nous pas au ministère, nous pas recevoir l'ordre dans même personne. Président pas capable de l'ordre, premier ministre pas capable de l'ordre, directeur général pas capable de l'ordre. Personne ne va pas passer nous l'autre. Communauté internationale ne va pas passer nous l'autre. Parce que nous sommes indépendants dans ce que nous avons fait. Nous associons à 100% de démarches que nous avons fait pour que l'État prenne droit en considération. Je dis à nous autres, on conseil des ministres. Et un point dans le conseil des ministres, c'est concernant petit nous. Pour nous, dans le gouvernement, il est important que Timon à l'école. Et période de rentrée scolaire, rentrée des classes, sont périodes qui sont toujours très difficiles dans le pays. Il est difficile parce que nous vivons dans un environnement sociopolitique et économique difficile. Le gouvernement prend décision, fait une rentrée des classes en deux temps. Il y a un temps qui concerne les gens qui dans zone qui pas affectée par tremblement de terre ou qui peut affecter par tremblement de terre. C'est-à-dire que tout reste payant en dehors de la presqu'île du Sud. Timoun Sayo nous décidé n'a reporter rentrée scolaire là qui devait faire le 6, nous reporter pour le 21. En fait, nous t'ai reporté pour le 20, mais 20 son jour férié lié. 20, c'est la fête de l'anniversaire de l'empereur Dessalines, du fondateur de la République. Et le gouvernement précédent a décidé que 20 son jour férié, donc l'école a ouvert le 21. En ce qui concerne zone qui presqu'île du sud, là, trois départements affectés par tremblement de terre, l'école a ouvert le 4 octobre. Et l'école, elle nous dit, toute l'école dans notre presqu'île du sud, là. Pour nous arriver ouvert, il faut nous faire un pile travail. Il faut nous retirer des blés, c'est-à-dire qu'à écraser, il faut nous retirer. Il faut nous mettre des structures pour que Timoun soit capable d'aller à l'école. Et mon Timoun, ça, c'est quel que soit Timoun qui est dans l'école d'État, dans l'école religieuse ou dans l'école privée. Il faut tout Timoun dans presque du sud aller à l'école. Après, ils font effort. Pour nous faire effort, ça, nous faisons un conseil d'interministériel composé de plusieurs ministres pour que nous sommes capables de mettre toute force nous pour que Timoun ka joigne l'école là à temps. Nous voulons aussi que prendre des dispositions pour nous gagner des allocations pour parents, pour élèves, pour l'école, pour professeurs de l'école. Yo. Donc, tout ça, à prendre du temps, c'est peut-être ça nous repousser l'école dans presqu'île du Sud-là et nous retarder l'école dans le reste pays. Nous sommes consulat Équateur qui est en Haïti. Nous venons là pour nous capables de recevoir aide Équateur voyée pour les haïtiens. Nous voyons qu'il y a de 400 cabanes complètes avec 400 colchons qui sont matelas, oreillers, tout le monde complet. Okay. Consulat pour remercier Équateur pour aide ça que nous portons avec les haïtiens. Qui est dans des difficultés, on a remercié du fond du cœur. C'est 400 cabanes complets avec 400 cabanes matelas, oreillers, tout complet. On a dit merci. On a dit merci parce que vous pensez avec nous dans la situation que nous sommes. On se rend grâce à le peuple équatorien, non pas à son aide, à le peuple d'Haïti, en estas circonstancias. Aquí estamos en una situación muy frágil después del terremoto. Muchísimas gracias otra vez al gobierno de Ecuador. Con su ayuda, por compartir con Haití en estas circunstancias. Muchísimas gracias. Anessa, encore, lancement 5e édition, concours de textes et de reportages que OPC t commencé avec lui depuis 2017, eh bien, il pourra lancer, ou bien il est sur le point d'être lancé, il a lancé Kounia là, nous capables de dire,
dans un contexte particulier, un contexte exceptionnel. Alors, 2 ans de cela, soit en 2019, il faut dire que on avait lancé la 3e édition de ce concours en pleine période de pays loc, entre guillemets, son mot qui vient à la mode. Nous étions en 2019 et nous étions en pleine période de pays loc, côté que toute activité était censée paralyser, nous capables d'y presque à 100%. L'école, université, commerce, administration publique, l'hôpital, sans dispensaire, pour nous citer que ça. Et tout le monde rappelait que même les malades dans la période ça, ont eu une pile de difficultés pour les jeunes soins. Des femmes enceintes qui étaient pour te accoucher, qui étaient mourues derrière barricade qui ont été mises dans le moment ça. L'école était fermée, la bibliothèque était fermée. Et malgré tout, nous avons gagné des participants qui ont accepté de prendre part à la 3e édition concours de texte là. Pour l'année 2019, justement pendant la période pays de l'Ocla, on avait au total 135 participants répartis dans différentes régions du pays. Et sous 135 participants, eh bien, nous avons sélectionné 15 lauréats. Là, on était en 2019. L'année dernière, en 2020, le paysage politique, de façon générale, n'a pas changé. Pays loctatontijan diminué, mais nous devons sur le dos cette pandémie qui continue à faire rage, la COVID-19, qui devine aggraver la situation non dans le pays d'Haïti. Et encore une fois, en dépit de tout, eh bien, nous avons gagné un nombre considérable de participants. Et pour 2020, on était passé à 228 participants pour les différentes régions du pays et on avait sélectionné 16 lauréats et là, c'était pour l'année dernière 2020. Cette année encore, comme nous sommes soulignés, lancement a fait dans un contexte difficile. Un contexte qui est caractérisé d'abord par une crise politique aiguë. En raison, n'en déplaise aux autres, de l'intransigeance des acteurs politiques. Et à côté de crise politique, ça, il vient par une conséquence, une détérioration accrue de la situation socio-économique. Une situation socio-économique qui vient plus détériorer davantage après le passage du séisme du 14 août 2021. Et son bagage qui continue à dégénérer beaucoup plus. Beaucoup plus face d'une part à l'absence de solutions durables, mais aussi, nous capables de dire, face à l'absence de planification stratégique pour l'encadrement des survivants du séisme du 14 août dans le Grand Sud. Anessa, pour concours là, nous toujours fait, nous avons des sujets qui liés à la réalité que nous vivons là. Parce que les droits humains, c'est du concret, ce n'est pas de l'abstraction, c'est ça que nous vivons chaque jour.
pour niveau A, côté que gagne des journalistes, des confrères journalistes, que n'invitent à prendre part, comme ça t'est fait l'année dernière. Nous avons des lauréats qui sortent dans la radio RCH 2000. Nous avons des lauréats qui étaient sortis dans la radio Signal FM. Nous avons des lauréats qui étaient sortis dans Alter Presse, Alter Radio. Année ça, nous proposer des sujets pour journalistes sur un thème d'actualité, directeur promotion pour l'île pour nous. Eh bien, c'est l'équilibre qui doit gagner entre le devoir d'informer du journaliste et le sensationnalisme qui tue la profession. C'est-à-dire équilibre qui doit gagner entre devoir journaliste pour l'informer et axantarele voyer monter tribord bas bord. Pour étudiants, alors journalistes sont capables toujours faire un reportage également, directeur promotion Calvin a plus d'explications pour nous. Pour étudiants, c'est dans le niveau BA, nous proposer trois sujets. Temio Chita d'abord. Premier sujet, je vais le faire lecture là. C'est comprendre et analyser et comprendre l'assassinat du président Jovenel Moïse au regard des droits humains. Sujet que nous proposons toujours aux étudiants. C'est un sujet qui est en rapport avec le système judiciaire là. Parce que tout le monde connaît que le système judiciaire là, ou pas un mot pour employer pour lui. Il y a des gens qui disent malade, des gens qui disent inexistant, des gens qui disent dysfonctionnel, des gens qui disent décrié. Donc nous demandons aux étudiants pour être capables d'expliquer qui cause le système judiciaire là dans l'état côté lié et qui ça que nous sommes capables de proposer comme solution pour améliorer le système judiciaire là. Et il y a un troisième sujet qui est important ou qui est encore d'actualité après le 14 août, eh bien c'est comment nous sommes capables de concilier aide humanitaire au respect de la dignité humaine lorsque il y a une période catastrophe naturelle. Qui ça que nous sommes capables de faire pour pendant y a aide humanitaire, y a bail de l'eau, y a bail du riz, y a bail santé, y a bail vêtements, y a bail tente, et comment y a capable de respecter dignité moun yo et surtout dignité moun ki pi faible, femme enceinte, vieillard, handicapé, les enfants. C'est un troisième sujet. Et pour les écoliers nous capables de dire qu'il y a un niveau NS1 à NS4, c'est ça l'eau dans le langage traditionnel là, nous capables de dire langage traditionnel la troisième jusqu'à la philo. Nous avons un sujet côté que nous parlons des écoliers pour lui mettre le nom pour un ambassadeur, et bien pour voir comment que le capable combattre sanitaire les violations intégrité morale et psychologique qu'a fait sur les réseaux sociaux. Comment un écolier capable de venir avec des propositions pour dire mais qui ça que m'a fait pour éviter monde détruit monde sur les réseaux sociaux. Deuxième sujet qui est important pour écolier, c'est un sujet qui est important mais le plus souvent qui pas fait bruit. Naturellement, il y a un pile journaliste qui est intéressé à la question ça, mais quoi donc lauréat et troisième édition OPC qui te font sujet comme ça, c'est ça nous d'arriver le droit à l'identité. Loi identité, naissance, papier pour tout le monde dans le fait. Donc nous demandons écoliers pour être capable de présenter un plan, pour être capable de venir avec un plan bien élaboré pour renforcer sanitaire le droit à l'identité conformément aux prescrits, aux directives du Haut Commissariat des réfugiés à travers le monde. Et mon dernier sujet pour les écoliers, encore sujet d'actualité, surtout après le séisme, dans les zones frontalières, eh bien c'est comment Timon yo capable de nous pour yo combattre trafic et traite des enfants en Haïti, qui c'est un phénomène inacceptable, un phénomène de violation des droits humains. Pour journalistes, il y a fait travail, il y a déposé dans un bureau OPC gagné dans le pays. Si vous n'avez pas fait ça, vous pouvez envoyer nous par email. L'email là, c'est coco@opchaiti.com. Pas gagner inscription.
fait travail là, une fois travail là fini, soit déposer dans un bureau PCO ou bien vous le nous par email. Date limite pour nous recevoir travail, c'est 15 octobre 2021. Texte là, il doit être écrit sous format 8/11, seulement recto, caractère Times New Roman, police caractère 12, interligne 1.5. Si c'est un reportage choisi faire, faut pas dépasser 5 minutes. Et pour texte, il y a minimum 4 pages, maximum 6 pages. Pour étudiants, ça que nous considérons qu'il y a une catégorie B. Étudiants capables de faire travail, ils déposent dans n'importe quel bureau PCG dans le pays. Ou du moins, vous le nous par email dans concours opchaiti@gmail.com. Nous, pas d'inscription, étudiants a fait texte, l'a prendre, voyez ou bien déposer dans le bureau PC. Format, c'est papier. Vous pouvez débuter par 11, recto seulement, Times New Roman, police caractère 12, interligne 1.5. Quantité page à minimum c'est 4, maximum c'est 6. Étudiant gagne tout pour gagner une lettre de recommandation de côté à étudiant avec pour présenter 4 étudiants. Délai pour recevoir texte, c'est 15 octobre 2021. Pour catégorie élève de l'école, ça nous est la catégorie CA. Nous dit de NS1 à NS4. Comme vous avez deux qualités d'école faites là, NS1 et NS4 pour nos nouveaux secondaires là. Et nous avons un troisième pour arriver dans philo pour ancienne méthode là. C'est presque le même consigne, pas d'inscription. Il y a gagné pour déposer texte dans un bureau PCG dans le pays ou bien envoyer le nous par email. Email là, c'est concoursopchaiti@gmail.com. Texte a présenté sur papier format UTP/11, recto seulement, Times New Roman, police caractère 12, interligne 1.5. Il y a un PPT 2 pages, maximum 4 pages. Timounio a présenté une lettre de recommandation côté de l'école là avec un cadre que l'école là-bas a dit que oui, de l'école dans l'école ça. Date limite là, c'est 15 octobre 2021. Pour quelle que soit la catégorie, yo, date limite là, c'est 15 octobre 2021. D'après rappeler, texte qu'a fait en français ou bien en créole, pas gagner inscription. Qui tu es étudiant, qui tu es journaliste, qui tu es élève d'école, ou bien fait travail, respecter consigne, déposer dans un bureau PCG dans le pays, ou bien voyez dans l'adresse email OPC concours opchaiti@gmail.com. Bonne participation. Nous vivons même situation que nous vivons après 12 janvier 2010. Là. Côté te gen en pile millions qui sont entrés sous dos Haïti. Des centaines de millions selon des informations qui sont disponibles un peu partout. Des millions, nous capables de dire qu'ils étaient gagotés, qui étaient mal dépensés, qui était gaspillé et plusieurs années après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, le constat est clair pour les amis de la presse parlée, écrite et télévisée, nous pas gagné un hôpital moderne qui construit après 12 janvier 2010. Et y a quoi pour ça? Nous pas gagné une université avec un campus pour les étudiants. Université d'État d'Haïti, toujours en, nous capables de dire, en
parents pauvres, faculté yo, pas gen cafétéria, étudiants yo, pas gen bibliothèque, pas gen campus pour étudiants réunis. Te gen quoi pour ça? Après le 12 janvier et jusqu'à date, nous capables di pas gen des infrastructures modernes. Donc bref, le résultat a été totalement négatif en termes de gestion de l'aide après le 12 janvier. Et c'est même situation ça que nous vivons. Et nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous sommes très inquiets par rapport à ça. Nous très inquiets par rapport à la gestion de l'aide après le 14 août. En pile acteur a intervenu. En pile monde dit qu'il y a porté aide. Gouvernement bouqué fait de belles déclarations entre guillemets, de beaux discours, mais nous capables de dire plus de 15 jours après, situation survivante dans le grand studio pas changé. La pluie a tombé, moun yo nan même difficulté a, et ça m'a mandé une attention spéciale, malheureusement. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, en pleine période de post-séisme du 14 août, il y a des structures étatiques qui sont importantes, surtout en termes de protection sociale pour les catégories vulnérables. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, en tant que structure étatique indépendante, c'est avec un peu d'indignation que nous attendons que nous pas existé ou que nous pas fonctionné, je ne veux dire. Comment peut-on comprendre en 2021 on décide de rendre dysfonctionnelle la secrétaire d'État chargée à l'intégration des personnes handicapées? C'était un acquis. En 2006, lorsque l'administration Préval mettait sous pied la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, ça n'a pas été un cadeau du président. C'est des travaux qui étaient faits, et notamment au niveau du Sénat de la République, avec le sénateur Antoine Rémy Samson, pour nous bal crédit, avec l'autre collègue sénateur, qui fait arriver mettre secrétaire d'État, personne handicapée sous pied. On n'est pas capable de justifier le dysfonctionnement ou bien la fermeture dorée de cette instance étatique qui est appelée à jouer un rôle fondamental en matière de protection des droits des personnes handicapées. Et je ne vous dis, en plus nous apprenons en compte, nous-mêmes journalistes qui là, si nous menons une petite enquête justement dans la zone, nous avons vu que le bureau pas fonctionnel, il y a des handicapés qui étaient censés abandonner à eux-mêmes, ils sont obligés de refuser dans le secrétaire d'État. Et selon des informations disponibles que nous avons au niveau de l'OPC, le pont est censé couper entre la secrétaire d'État et l'administration centrale. C'est une violation des droits humains en termes de responsabilité de l'État. Il n'y a pas que la secrétaire d'État chargée de l'intégration des personnes handicapées. Nous sommes capables de citer presque toutes les autres secrétaires d'État. L'alphabétisation, ça n'a pas été un cadeau. C'est le fruit d'une lutte. En pile, le monde connaît que le droit à l'éducation sont bagages qui sont fondamentaux. Et c'est peut-être ça que vous mettez le sous-pied. Je ne vous dis, on n'a pas de secrétaire d'État à l'intégration, à l'alphabétisation. La sécurité publique, encore fondamentale, importante dans un contexte tout à fait particulier. Et sans oublier pour les confrères de la presse parlée, écrite et télévisée, on doit le souligner, la communication. Donc bref, nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous très inquiets par rapport à la gestion qu'il a faite en termes de aide que y a bail Haïti. Dignité moun yo pas respecté, yo violé droit yo, les femmes, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes dans le Grand Sud. Les autorités, lorsque yo débarqué dans le Grand Sud, dans l'hélicoptère, yo seulement présent, fait photo et puis yo retourné. Population pas connaît rien du tout de ça qu'a fait pour yo. Est-ce qu'il y a bien construction des écoles? Est-ce qu'il y a bien plan pour construire des hôpitaux? Rien n'est dit.
et d'autres particuliers qui, sous le label de porter assistance à ces survivants, eh bien, ils le font sur une base politique. On a distribué un plat manger dans le sud, il y a écrit non le souli. On a ba un gallon de l'eau à un monde qui sauvé dans le séisme, eh bien, non, moun sa, moun ka balia, yo mette non le souli. On a ba un sérum, un médicament, il mette non le souli. Donc, on utilise, comme on l'avait fait en 2010, le séisme pour résoudre, pour asseoir des bases politiques au détriment de la population qui a besoin d'assistance. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous ne sommes pas capables de faire une complice de base ça pour ne pas dénoncer. Il faut dire également que à côté de tout tableau ça, eh bien nous-mêmes au niveau de l'OPC, notre position sur la situation globale en Haïti, et nous allons transmettre officiellement aux autorités concernées, on espère que dans le meilleur délai, pas dans 12 mois, pas dans 18 mois, pas dans 24 mois, comme certains le pensent, il faut qu'il y ait des hommes, des femmes politiques pour prendre responsabilité au plus haut niveau de l'État pour être capable de poser les problèmes sociaux, les problèmes économiques du pays. Parce que tout autant qu'il y a un problème, crise politique, tout autant qu'il y a une question de transition, eh bien, il va y avoir un impact sur la jouissance ou bien l'effectivité des droits humains. C'est peut-être ça que nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous souhaitons que, à ce que les autorités qui ont le pouvoir en main, le numéro 1, le Premier ministre, pour qu'il prenne les dispositions nécessaires de concert avec les autres citoyens et citoyennes, la population et peut-être l'appui de la communauté internationale pour qu'il y ait des élections, pour que nous soyons capables de joindre des hommes, des femmes politiques qui nous tiennent en tête pouvoir pour capables résoudre, poser les vrais problèmes politiques, pas dans 12 mois, pas dans 18 mois, encore moins pas dans 24 mois. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne là. Et toujours songer pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babé à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.